Salut, c'est Simone, votre conseillère cinéma, ici pour vous présenter 5 classiques de Noël incontournables à voir sur Illico durant le temps des fêtes. Voici donc mon top 5 des meilleurs films de Noël disponibles sur Illico. Numéro 1, Maman, j'ai raté l'avion. Un vrai classique, Maman, j'ai raté l'avion, c'est l'histoire de Kevin McAllister, un petit garçon qui se retrouve tout seul chez lui pour le temps des fêtes parce que toute sa famille est partie en voyage et l'ont oublié. Saviez-vous que le rôle de Kevin a été écrit spécifiquement pour Macaulay Culkin, l'acteur qu'il joue? C'est après avoir rencontré Macaulay sur le tournage de Oncle Buck que John Hughes, qui a écrit les deux films, a eu l'idée pour Maman, j'ai raté l'avion. Numéro 2, Le sapin à des boules. Le sapin à des boules fait partie de la série National Lampoon qui mettait en vedette Chevy Chase et qui était l'une des plus populaires dans les années 80 et 90. C'est toujours le même principe. La famille Griswold partait en vacances et rien, mais absolument rien, ne se passait comme prévu. Pour leurs vacances de Noël, ils ont décidé de ne pas risquer la catastrophe et de rester chez eux. Mais bien sûr, toute la famille débarque et s'ensuit une tonne de situations hilarantes. Numéro 3, Dr. Seuss, le grincheux qui voulait gâcher Noël. Cette adaptation d'une histoire de Dr. Seuss, le grincheux qui voulait gâcher Noël, est parfaite pour ceux qui trouvent que le temps des fêtes, c'est un peu stressant pour rien. On vous comprend, la famille, le magasinage, les soupers, c'est beaucoup, mais n'allez pas jusqu'à gâcher Noël, s'il vous plaît. À la place, écoutez Le Grincheux. Le film met en vedette Jim Carrey dans le rôle titulaire et les décors sont magiques. C'est parfait pour les grands autant que pour les petits. Parlant des petits, voici le film idéal pour eux, Le Noël de Mickey de Disney. C'est bien simple, c'est un court-métrage de Disney qui dure environ une vingtaine de minutes. C'est inspiré du conte classique de Charles Dickens, Un chant de Noël, mais avec nos personnages de Disney préférés. Donald Duck est là, son oncle aussi, Goofy, Jiminy Cricket, Mickey bien sûr, tout le monde. Le dernier, mais non le moindre, Le Lutin. Mettant en vedette le très drôle Will Ferrell et la très talentueuse Zooey Deschanel, c'est l'histoire d'un lutin qui va dans le monde des humains pour retrouver son père. Il se trouve une job de lutin dans un monde du Père Noël dans un centre d'achat et il tombe en amour avec une fille qui travaille là aussi. C'est un film adorable et drôle qui saura vous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Mon top 5 de Noël est disponible dès maintenant sur Illico au canal 900. Bon visionnement et bon temps des fêtes! J'ai un cheveu dans les yeux.